C'est bon, c'est parti. C'est parti, ok, depuis 6 secondes. Zut. Voilà, alors excusez-moi, voilà, toujours XP qui galère un petit peu à se lancer au... lorsque je lance l'enregistrement. Donc désolé, vous avez eu 6 secondes de blanc. Attendez, excusez-moi, puis je fais autre chose à côté. Voilà, bon. Donc, pourquoi je joue là, moi? Bon. Donc, nous sommes à Légion et nous allons attaquer cette extension que j'ai un petit peu commencé hors caméra, je l'avoue. J'ai commencé la couture en fait à Légion. Donc, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai un petit peu commencé. Hop. On va prendre notre belle monture. Attendez une seconde. Excusez-moi, je fais autre chose à côté, juste j'en ai pour une minute. Allez, on va faire ça. Voilà. Alors, on toc toc toc, la couture c'est par là. De toute façon, on va rester un petit peu sur Dalaran, histoire de juste de faire un petit tour rapide, de vous montrer ce qu'il y a de principalement à faire. Sur Légion, donc ici on a la couture, ici on a juste à côté, oui c'est ici, on a la maîtresse de bandage, mais je sais pas, elle apparaît pas dedans encore. Hop. Ok, pas tout à fait chargé. Voilà, bon. Donc la maître des tailleuses, la Tanitria, donc elle nous donne des quêtes. Elle nous donnait des quêtes au départ. Une des quêtes consistait en fait à se servir dans l'équipement qu'il y a tout autour. Voilà les colorants, tout ça, pour lui confectionner une robe bien particulière. Et ça nous apprend en fait la couture de Légion. Puis elle nous envoie ailleurs. Et puis donc elle nous envoie, hop, ensuite à Azona, au carrefour qui est juste là, pour apprendre la couture auprès des locaux. Donc actuellement, la zone en bleu, c'est une quête liée à la couture qu'il y a. On va la faire, mais on va la faire en même temps que la quête secondaire, là, retour de bâton. On va en fait faire un petit peu comme ce qu'on a fait là, ces derniers épisodes à Draenor. On va se concentrer sur les quêtes secondaires. Il n'y en a pas ici, ok. Mais il y en a ici. Voilà, toutes les petites quêtes secondaires, là, on va les faire. Ça rapporte masse d'XP, hein, c'est vraiment pour l'XP. Voilà, il y en a aussi là. Et à Tornium. À Tornium, je sais aussi qu'il y a un haut fait que je n'ai pas fait alors que je pouvais le faire pendant le timelapse. Faut que je regarde. Mais en fait, je crois que c'est dans cette région-là, hein, qu'il faut atteindre le plus haut point, le plus haut sommet. Donc on le fera. Voilà, c'est un petit haut fait. Voilà, je compte après, là, voilà, une fois au niveau maximum, partir sur la quête au haut fait. C'est toujours marrant, j'aime bien faire ça. Donc voilà pour les quêtes. Et donc là, mon objectif, ça serait d'apprendre une nouvelle couture. Donc là, il va falloir que je me balade à Draenor. Dans le but d'atteindre le niveau 60 en couture, donc il manque juste 10 niveaux. Je pourrais hein, augmenter simplement en faisant des épaulières de soie, mais ça coûte cher en soie. Bon, l'argent n'est pas vraiment un problème, hein, j'ai toujours le bonus des 100 000 quelque part. J'appelle ça un bonus, mais bon, j'ai dépensé de l'argent pour ça. Mais voilà, sinon. En soi, il faudrait qu'en fait j'arrive à faire une des. Non, ici non. Mais il faudrait que j'augmente la qualité de ce que je fais. Mais voilà, c'est pas si simple que ça. Je sais même pas comment on obtient cet argent là, l'œil clos. Je sais même pas comment ça s'obtient en fait. Prenez soin de vous. Ah, ouais, non. Donc voilà, vous avez à peu près où j'en suis. Et une fois qu'on a un... Comment? Salutations. Qu'on sait faire une des choses ici, on peut
potentiellement acheter le niveau 2 ici. On a pas mal d'extensions de niveau 2 ici, mais il faut avoir le niveau 1 d'abord. Voilà, les mules, la robe, tout ça. Tout ça, on peut l'apprendre ici en fait. Donc voilà, ensuite, on va aller juste au coin de la rue. Si je dis pas de bêtises, c'est là, voilà, oui. Au sommet de cet escalier, il y a quelques quêtes, mais pas intéressantes. Et puis le TP vers Orgrimmar. Et ici, quand on va dans les égouts, qu'on descend dans l'escalier, on a ici un portail, et ce portail nous amène à notre... ça s'appelle un domaine de classe, c'est ça, notre domaine de classe. Donc c'est le domaine de classe réservé aux démonistes. Il y en a d'autres, des domaines de classe, notamment celui des Illidari, je sais où il se trouve. Je sais pas où se trouvent les autres, cependant, voilà. Mais voilà, donc je... Et ici, ça fonctionne un petit peu comme le fief de... Comment? Le fief de Draenor, mais c'est un poil différent quand même. Alors ici je vais perdre un petit peu de points de vie, mais est-ce que je peux... Non, hein, il me faut des ressources de domaine. Alors le truc c'est que voilà, ce personnage est très mal placé, donc on perd forcément de la vie quand on lui parle. Donc on faut se méfier, on peut potentiellement mourir en si on se dépêche pas. Donc voilà, donc ici on a voilà un truc pour échanger des ressources contre des familiers. Ici qu'est-ce qui... Non, ici il n'y a rien visiblement, c'est juste décoratif, ok. Ici. Porte des démons. Je sais pas à quoi elle sert, alors je vais pas m'en servir, mais il y a une porte là, je l'avais pas vue. Je ne sais pas à quoi elle correspond. Ensuite, on a quoi? J'irai au centre. Ben, je vais aller au centre là maintenant. On va prendre la monture. Parce que... Voilà. Donc ici, on avait quelques personnages à prendre. On a comme au fief, on a des personnages à prendre, hein, des sujets quelque part, qu'on va envoyer en mission. Bon, ici, il y aurait potentiellement quelques quêtes à prendre plus tard ici. Non, puis je vois pas où est le... Donc de l'autre côté... Ah oui, donc c'est là. Ici, on a le plan de bataille. Donc quand on aura nos premières ressources, c'est ici qu'on va envoyer nos... Voilà, nos premiers... Voilà, en plus j'aime bien ils ont tous une voix, c'est encore mieux que... Voilà, on peut envoyer donc nos trucs, mais il nous faut les premières ressources. Et par contre, je peux ajouter un sujet en bataille alliée. Ouais, mais pareil, il me faut 50... Il me faut 50, 50 ressources. Donc ça, les ressources, on va les avoir, hein. C'est pour ça qu'on va faire... Hein, qu'est-ce qu'il fait, lui? Honneur au roi. D'accord, lui il nous permet d'avoir des recrutements aussi, mais il nous faut des ressources de domaine. Bref, voilà, ça va tourner énormément autour des ressources de domaine. Ça, il va en falloir. On a un... Tiens, on a un... Ouais, ok, c'est juste un forgeron. Mais ça nous permettra de réparer de l'équipement au cas où. On sait qu'on a un forgeron là. Alors il y a plein de petits trucs en bas, mais c'est pas tout ce qui est primordial. Et surtout, ce qui va être primordial, c'est ici. C'est cet autel, l'altar, qui... Allô? Il marchait le dernier coup.
Ou alors c'est parce que j'ai mon collègue qui y est. Alors c'est très dommage parce que ça marchait hier ou avant-hier. Et là, on n'arrive pas à y accéder. Mais c'est très dommage parce qu'on a notre arme qui se met au-dessus. On a un gros plan dessus et on peut la modifier, l'améliorer, notre arme prodigieuse. Donc, Élise là, elle a donc une autre joueuse là qui m'a whisp, hein, qui m'a murmuré, dit qu'elle arrive pas à y accéder non plus. Donc voilà. Donc bon bah si elle va peut-être contacter un MJ, je sais pas. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, de toute façon, j'ai pas l'équipement, j'ai rien pour pouvoir améliorer mon arme. Mais c'est dommage, j'aurais aimé vous montrer ça. Voilà, en bas, là, c'est essentiellement décoratif. Il y a pas grand-chose, mais voilà, on peut se balader un petit peu. Il y a deux trois mobs qu'on peut attaquer. Mais bon, voilà, c'est des boss. Voilà, on a un coin un petit peu de chill ici avec des succubes. Plutôt sympa. Donc voilà. Ah oui, je peux pas voler à l'intérieur du domaine par contre. Ça, je ne peux pas. On va essayer la porte de démon que j'ai vue. Je sais pas quoi elle correspond. Ah voilà, voilà, c'est plutôt sympa comme. Moi je le trouve super sympa ce domaine. Ok, ça fait du bruit mais ça ne fonctionne pas. Ok, d'accord. Ça n'amène à rien. Bon, c'est très dommage pour l'altar. J'espère que ça. Voilà, que ce sera. Mais voilà, ça c'est notre domaine Donc on va avoir beaucoup de choses qui vont tourner autour de ça. Et je suis plutôt content que ça fonctionne, même si là l'altar est en bug et je ne comprends pas pourquoi, alors qu'il marchait très bien il y a 2 jours. Voilà. Maybe.
Comment on dit tiens-moi au courant Excusez-moi, attendez, hop. Voilà. Bon, bah c'est pas grave. Donc on va partir de toute façon pour... Alors ça c'est pas normal. Ah non 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 mais là je suis pas d'accord là. Je peux pas voler. Non mais là je suis pas d'accord là. Là par contre je suis vraiment pas d'accord parce que je... Attendez, 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 des coups recours là parce que c'est pas possible. J'ai réussi à m'envoler à l'instant là tout à l'heure. C'est à la sortie du domaine que ça a merdé. C'est possible. Pas voler. Attendez, parce que Elise me parle. Game. Comment on dirait équilibré en anglais? Je sais pas. Voilà, le jeu est réformé. Je vais écrire ça comme ça parce que je sais pas. Bon, ben là, je suis un petit peu coincé. Ben, je vais utiliser le fly. J'ai que ça. Je peux utiliser. Ouais, parce qu'elle me dit que son démoniste dans l'extension Légion, donc l'ancien serveur, enfin le serveur de. Version intérieure, il était à 112K de points de vie et là il est plus qu'à 18K. Ben ouais, le jeu est toujours rééquilibré en fonction des extensions qui sortent. Et puis donc l'équilibrage a fait que énormément de classes se sont fait un petit peu, comment on dit, un petit peu nerf. Au niveau des points de vie, parce que c'est vrai que sous l'extension Légion, quand on avait quand les démonistes avaient 112K de points de vie, on était quasiment intombable, hein, on balançait des drains de vie à volonté et puis on se faisait jamais down, quoi. Et pareil, nos drains de vie étaient beaucoup plus abusés, j'ai l'impression, que sur cette extension. Et puis j'ai l'impression que nos dots faisaient aussi beaucoup plus mal. Hein. Normalement, 5000 points de vie, par exemple, d'un mob, normalement,
ça tient pas. Pourquoi je n'ai rien? Pourquoi j'ai pas le, les mobs qui apparaissent? Ok, à mon avis le serveur il est vraiment en galère. Je mets juste en pause, je relance le jeu moi, voir si c'est pas le jeu qui galère. Mais c'est pas normal là, il y a bien de trucs, il y a plein de trucs qui fonctionnaient avant le record et qui fonctionnent plus. Donc à tout de suite. Bon, bah écoutez, je suis de retour, mais je suis très inquiet là, parce que, chier là, c'est toujours au moment où je commence à tourner en plus que ça arrive, ce genre de choses. Non seulement je ne peux plus voler la Légion pour le moment, mais en plus, il n'y a plus un seul PNJ à Dalaran. Dalaran est entièrement vide. Je sais pas ce qu'il en est du reste de l'extension, mais j'ai l'impression que l'extension Légion a entièrement buggé. Je repousse un petit peu ça parce que là je suis un petit peu embêté. C'est absolument, enfin c'est dingue. Je voulais vérifier un truc parce que il me semble que ouais c'est ça. Il y avait un truc que j'avais pas fini à. Je suis désolé. Oui voilà, il y avait ce truc là que j'avais pas fini à. Là, je suis vraiment désolé, hein. Je voulais vraiment qu'on attaque Légion aujourd'hui, mais visiblement ça a l'air compromis. Donc je vous propose, c'est juste qu'on fasse le dernier truc que j'ai oublié de Draenor en attendant. Peut-être que le serveur va redémarrer entre deux. À mon avis, il y a des joueurs qui vont contacter les MJ, hein. Parce que c'est complètement pas normal quoi. Donc on va juste faire la dernière mission de Draenor. Je pensais qu'on avait fini, hein, mais en revisionnant les épisodes, je me suis rendu compte qu'il y avait celui-là et que j'avais et que je l'avais pas fait. Donc on va juste aller faire celui-là près de. Et normalement comme ça on aura l'extension de Talador. Ah non, il y en a deux trois qui sont buggés, je crois. On n'aura pas le haut fait de Talador pour ça, mais. Ok, ici par contre il y a les PNJ. Attendez, je vais en profiter. C'est quoi qu'il faut, c'est ça, hop. Bah attendez, plutôt moyen d'envoyer un. Ouais, non, allez, hop. C'est pour de l'XP. Ouais, c'est pour de l'XP. Hop, on va juste prendre donc au sud de Talador. C'est un vol direct, comme ça au moins. C'est fait. Je vais voir s'ils se disent quelque chose sur le world. Join.
D'accord, apparemment il y a des mobs à Orok. MJ c'est GM en français, hein, simplement c'est maître du jeu et en anglais c'est Game Master. Ok. On va juste donc faire la. Hein? Pourquoi je suis là? Non mais attendez, je suis pas arrivé au bout là. Ça va comment? Je suis carrément pas arrivé au bout. C'est. Ah, trop Lydia là. Bon. Je suis désolé, hein, c'est. Voilà, c'est des choses qui arrivent. D'accord, je pouvais par contre encore descendre un peu plus proche. Mais bon, c'est pas grave. On va finir en vol. Au moins, ici, je peux voler. C'est déjà ça. Par contre, elle adore ça, ça rame toujours autant. C'est très beau, hein, mais ça a l'air d'être très très lourd. Excusez-moi, donc oui, on y est, on est dans la zone. On est dans la zone. Voilà, mais c'est voilà, c'est un petit peu chiant.
Bon, on avait quoi donc? On avait portail du vide à refermer. Donc on va commencer par les quatre. Voilà, on va commencer par les. D'accord, puis ça a l'air de se taper dessus. Bon, ça va, il y en a que 6 à tuer. Pourquoi j'ai balancé ça, moi? Ok, alors il y a d'autres mobs, mais qu'on les hostile avec les. Ok, zut. Alors, ça, c'est peut-être jouable de la manière suivante. Ouais, mais non, si, je veux dire, si j'amène le mob près des ennemis. Non. Non, ok, faut que le grunt il attaque pour je vais balancer ma succube. J'ai dommage, mais bon, c'est pas grave. Tac tac tac. Là, il nous reste quoi? Il nous en reste deux. Ben, les voilà. Voilà, 45 000 d'XP et 77 pièces d'or. Voilà, c'était juste ça. Il y a celui-là, on sait qu'il est en bug parce qu'il a reboot. Alors attendez, parce que visiblement il a reboot. J'ai plus les. Ah, il est possible qu'au bout de 24 heures, par contre, les quêtes rebootent. Ça, c'est pas impossible. Mais bon, de toute façon, si les chauves-souris ne sont pas ciblables, enfin, elles sont pas scriptées, elles sont pas scriptées, quoi. Mais on va jeter un œil. Alors, c'est là, hein. Voilà, c'est ça. Non, 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 ok. Donc non, donc en effet, il a bien gardé mes objectifs, mais les chauves-souris, elles sont pas surlignées en rouge, donc on peut les tuer, ça ne comptera pas dans la quête. Mais ok, mais sur la carte, par contre, c'est pas à jour que ça. Bon, bah ok. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant?
Parce que là, bah, Warlord of Draenor, bah, c'est bloqué. Après, il y a les quêtes, mais les quêtes, non, quoi. On tente quand même d'aller voir à Zona, voir s'il y a quelque chose. Allez, on va faire ça comme ça. On va aller voir à Zona s'il y a les PNJ. Et puis soit on utilise les fly qui sont disponibles, soit on... Tant pis, on ira à patte. On va faire avec les moyens du bord, en fait, quelque part. Hein. J'espère au moins que les mobs sont là, quoi. Mais... je pense que c'est toute l'extension qui a buggé sur le serveur. Allez. Super. Ok, je suis là. Juste à côté de la porte. C'est chiant ça, on a la caméra parfois qui bloque et on peut quand même diriger notre personnage et puis bon. La salle des portails, elle rame toujours. C'est assez hallucinant. Allez. On va attendre que le portail apparaisse. Ouais, là, cet épisode, ça aura été chargement et bug, quoi. Et... un peu chiant, mais bon. On aura fini la dernière quête de Draenor que j'avais pas faite. Ça a pris 2 minutes, enfin voilà. C'est con, j'étais super content là de vous montrer. J'espère vraiment que à Zona ça fonctionne. On va le savoir tout de suite. Hein.
Là, bon, faut attendre que j'apparaisse. S'il y a des PNJ ici, on est bon. Bon, si ça veut bien charger, par contre. Ok. Et bon, il y a des PNJ. Ouh. Bon. Donc ça veut dire que c'est que Dalaran qui est en bug. C'est que Dalaran qui est en bug. Est-ce que je peux voler? Je peux voler. Ok, bon, ok. Donc, on va éviter de retourner à Dalaran tout de suite. Et ce qu'on va faire, c'est on va se concentrer, comme je vous l'ai dit, sur les objectifs secondaires. Mais on est parti, on est parti. Alors faut que je me méfie, lui ça doit être le boss du... Non. Non, c'est pas le boss. On a quoi là? On a... Ok. Hop, sinon on a ça. Et donc des bandelettes, ok. Bien, et ben on a notre succube, on... Allez, on est parti. Donc là, se défendre contre l'Eglisfeld, voilà, c'est juste... l'objectif est assez vague, mais voilà, ça consiste souvent à juste tuer des mobs. Il y a 2-3 quêtes de collecte également. C'est à peu près le même principe que sur Draenor, c'est juste que ça a une présentation un petit peu différente. Et que... Ok, par contre, eux, ils ont vraiment la blinde de vie, quoi. Là, ils ont la blinde de vie, mais ils ont pas l'air de vouloir faire trop de dégâts. Pour le moment, c'est toujours mon bouclier qui absorbe. Ouais, alors on va essayer de plutôt s'attaquer à des mobs qui... moins de vie hein, même si c'est un petit peu plus long. Oh. Ouais. Alors par contre, pareil, j'ai cherché un petit peu, hein, mais ça a pas l'air de vouloir dropper en plus les bandelettes. Ça qui est chiant, c'est que j'ai rien qui drop. On va utiliser quand même. On va quand même taper quelques harponneurs parce que sinon. Je vais quitter.
Est-ce que voilà, en enregistrement, c'est pas le top? Essayez de s'attaquer à une brute là, pour voir un petit peu. Mais ouais, on s'attaque à des nagas. Par contre, j'ai rien qui drop, ça c'est chiant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des nagas, je crois en plus. Pareil, des murlocs, on n'en a pas croisé tant que ça au cours de notre aventure. Je crois qu'il y a il y a un objectif secondaire avec un objectif bonus avec des murlocs justement, mais c'est pas ici. Je suis hors de portée. D'abord choisir une cible. Il y a dû y avoir des problèmes avec des cheaters à mon avis parce que le message celui-là ça faisait un bout de temps qu'on l'avait pas vu. Donc les ennemis n'ont dû le remettre. Oula! Allô le jeu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis trop loin. Enfin, y a un autre joueur qui est arrivé, ça a carrément fait planter mon jeu quoi. Bah écoutez, allons-y, hein.
Je me fais aider d'un autre joueur en plus. Je sais pas ce qu'il est en plus, ça a l'air d'être un guerrier ou... humanoïde, mais j'ai pas le... j'ai pas la classe. Ça a l'air d'être guerrier ça. Ah non, modèle, c'est un prêtre. D'accord, ok. Les prêtres ça tape pas mal aussi. Hein. Bon, c'est bon, notre objectif est bon et on a 200 points de... 200 ressources de domaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument faire ces objectifs bonus, c'est parce que ça rapporte, hein, ça. Bon allez, on va laisser se débrouiller. Et par contre, eh ben, j'ai pas droppé ce qu'il me fallait pour ma quête de couture. Ça, je suis un petit peu déçu. Et, attendez, je vérifie, mais... parce qu'en plus... ouais, hein, c'est ça, c'est... bon, ben c'est tout. Allez, retour de bâton. Donc là, l'avantage, c'est qu'ici... c'est ça. Ici, on peut quasiment tout faire. Il me faut une cible. Oh. Alors ça, c'est cool. Alors ça, c'est badass. Si je peux faire ça, alors là... est-ce qu'il y a moyen de... non, pas de le mettre en raccourci. Ok. Mais... c'est cheaté, hein. Attendez, hey, on peut peut-être se faire un petit plaisir aussi là. Il a l'air de courir un petit peu, mais... eh bah putain. Oh la violence! Ouh! Ah c'était beau. Ah c'était beau. Allez, hop, j'en tue un dernier pour le plaisir. Mais là c'était vraiment badass comment j'ai buté ce boss. Là honnêtement, c'était violent. C'était vraiment violent parce que sinon il avait combien de vie? Je sais plus combien il avait de vie, mais... oh! Il a drop, lui. Non, mais il a pas drop ce que je voulais. Et ça m'a l'air compromis, quand même, pour les quêtes...
que je vise. Mais c'est pas grave. Mais c'était sacrément cool cette quête. Ensuite, on en a d'autres. Alors, on en a une autre, ouais, tout en haut. On en a une autre tout en haut. Pareil, combattre les hanteurs. Donc, voilà, encore des mobs à tuer. Mais si on a des trucs comme ça, honnêtement. Honnêtement, je prends. On n'a pas un fly. Non, on a. Ouais, si, on a un fly là-bas. Je vais prendre la fly, le fly à gueule du brasier. Je vais mettre le. Ok. Je dois y être en plus. Ouais, c'est ça. Le fly, c'est ici. J'ai tout sacrifié. Et vous? N'oubliez rien. Ben, beaucoup d'heures de ma vie sur ce jeu. J'ai sacrifié ça, moi. Ah, le personnage dit j'ai tout sacrifié et vous? Bah moi, beaucoup de temps de jeu là. Ah oui, c'est ça que je voulais essayer. Temps de jeu total 8 jours. Ok. Voilà, j'ai sacrifié une semaine de ma vie sur ce jeu. En temps de jeu, hein. C'est pas depuis le temps que je joue, hein. Enfin depuis. Ça veut pas dire que je joue depuis une semaine, ça veut dire que j'ai cumulé 8 jours de jeu. Ah, ok, redémarrage dans 30 minutes. Bah, ça va peut-être résoudre les problèmes de Dalaran. 30 minutes, on a le temps de. Voilà, de. On a le temps de. Oui, je suis dans la zone. Donc, c'est les hantés. Est-ce que j'ai un. Quelque chose auquel je peux interagir? Je peux interagir avec des choses. Quand j'interagis avec des choses, j'aime bien. Oui, alors. On va te sortir. Et donc. Ok, alors à mon avis, ça a l'air d'être lié à une autre quête, ça. Bon, c'est pas. Très grave, par contre j'ai plus mon dé j'ai plus de démon invoqué là. Mais oui, hier soir j'ai cherché parce que je voulais savoir combien de temps j'avais joué au total, c'est-à-dire y compris hors caméra.